Là, au milieu, un gecko. Un geek. Pour de vrai. Un autre. Qui se cache à l'ombre. Voilà, un oiseau. Une tourterelle. Plantation d'eucalyptus ou de moringa, il faut choisir. Eucalyptus, Nîmes et moringa. Une très belle végétation au centre d'hébergement de l'ami. Une belle euphorbe. Mur d'enceinte de l'ami qui s'y frotte, s'y pique. À cette euphorbe qui s'y frotte, s'y pique. Une superbe plante en fleurs. Pousse dans un contexte moins beau, ce qui n'enlève rien à sa valeur. Avec des résineux, curieusement, qui ressemblent à des tuyas ou des cyprès. Et puis des manguiers. Des moringas. Hautes tiges, basses tiges. Le petit gecko qui prend un peu l'ombre, qui va bientôt se sauver sans doute, à moins que sa curiosité, et non, se sauve. Voilà, un escargot du Burkina. Oui. Numéro 1 de Ouagadougou. Ouais. Voilà. Et à notre gauche, le barrage. Numéro 2. Numéro 2. Voilà. En face, nous avons l'hôpital Chifra. Voilà. Des assemblées de Dieu. Voilà. Échangeur du Nord, le plus grand échangeur de la sous-région. De la sous-région. Ouais. Tu me vois, le truc qui pointe là-bas. Alors,
à l'arrière-plan. Voilà, le barrage numéro 3. Le barrage numéro 3. Tu vas le voir quand on sera encore en hauteur. Tu vas tout... L'entrée chez Pierre Seyoré. Voilà, donc... Pierre Seyoré avec une belle-sœur. Voilà. Une femme de son, frère. Enfin, la femme de son frère, voilà. La maison de Pierre Seyoré. Dans le plus grand dans le quartier, le plus grand quartier populaire de Ouagadougou. Voilà, le meilleur accueil. Voilà, la maison d'accueil chez Pierre. Chez Pierre Seyoré. Ouais. Notre cher ingénieur qui nous aide beaucoup sur Boulsa. Ok, merci beaucoup. Alors, chez Pierre Seyoré, oui. Bien accueilli et dans le plus grand quartier de Ouagadougou qui s'appelle Tampuy. Oui. Voilà, et vraiment. Très content de vraiment très content de le voir sur place ouais. Pour de vrai ouais. Avec lui non plus qu'en image en réalité ouais. voilà là ce n'est plus c'est pas WhatsApp c'est la réalité hein. Voilà c'est face à face hein. On est là le blanc et le nassara il est avec nous hein. Oui merci. Croisement en route, pour Boulsa. Boulsa. Voilà, et. Voilà. Voilà. Une première un croisement typique, quoi, avec. Voilà, croisement typique avec. Avec les motos, les vélos, et les voitures, ouais. Tous ensemble. Ouais. Voilà, avec le moins d'accidents possible. Ouais. Voilà, notre chauffeur bien-aimé, Prince Cafando. Ouais. Et Pierre Seyoré de la famille royale qui laisse la royauté au roi et qui s'occupe encore du développement durable du Burkina Faso, le développement rural, malgré la retraite, quoi. Malgré la retraite, continue voilà, de travailler. Heureux retraité actif, voilà, qui prend encore la moto, voilà. Qui court en moto, qui court en voiture, voilà. Continue de gambader voilà. Les champs. Voilà, et qui continue donc de se dépenser. Voilà. Pour être utile à son pays. Voilà, et se maintenir en santé, mais surtout dans un esprit de continuité avec. Avec toute ma carrière. Avec toute sa carrière, voilà, qui a commencé un peu à Boulsa, hein, c'est ouais, ça. Oui, qui a vraiment commencé effectivement avec Boulsa. Ouais. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment bien. Merci. Allez, merci. Allez, en route pour bonne Boulsa. Voilà, bonne traversée. En route pour Boulsa. Le portable. Une communication entre le président d'honneur et le président de Gad Taaba, un pont pour un puits Burkina Faso. En route pour Boulsa. Ici, c'est tout à fait différent. C'est, oui. C'est tout à fait. Oui. Et donc, c'est... Ouais, on se présente pas les mains vides. On se présente pas devant l'autorité traditionnelle. Oui, bien sûr. C'est un sacrilège. Ben oui. Donc, il faut toujours faire un geste pour l'honorer et pour reconnaître son autorité. Ouais. Et donc, comme ça, le don est un signe de soumission et d'allégeance à l'autorité. Ouais. Ce n'est pas qu'on contribue à son bien-être ou non, c'est une forme d'allégeance et de reconnaissance de son autorité, ce qui est complètement différent ouais. Du cadre européen occidental. Donc, bien sûr, voilà. Donc il faut donner. Voilà. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu rejettes son autorité. Voilà. Et là, c'est pas bon aussi. Sauf les princes. Ouais. Sauf les princes qui peuvent aller saluer comme ça. Ouais. Quand moi je rentre au village devant le chef, je ne donne pas quelque chose. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui est hors de la royauté, si tu viens, même si c'est 500 francs, même si c'est 1000 francs, tu es obligé de donner pour reconnaître l'autorité et
et reconnaître aussi, faire allégeance à l'autorité traditionnelle. Ouais. Bénis-toi de quelque chose pour aller saluer les autorités. Il y a une certaine dynamique de la végétation. Oui, avec les épineux, on dirait qu'ils font du brûlis aussi. Voilà. Parce qu'on voit pas de petits, on voit pas de petites, de petits arbustes. On voit voilà, exactement. Donc il y a une certaine dynamique ouais. qui montre que les sols se sont appauvris. Ah ouais. Et que, tu vois. Oui, parce que ça, nous on dit que la cendre enrichit le père et ruine le fils. Exactement. Enrichit le père. Voilà, c'est ça. D'où l'intérêt de. Ouais. D'où l'intérêt de restituer au sol ouais. Ce qu'on a prélevé par voilà avec les Cossanes. Ouais. Ouais. Donc une savane arbustive arborée. Voilà, arborée. Arborée avec et des sols assez riches. Avec des sols plus riches, voilà, voilà. Une ressource en eau sans doute plus abondante et régulière. Exactement. Ouais. Ouais. Vous avez vu des beaux carités, quoi. Il y a un hymne, il me semble, là devant. Ouais. Des eucalyptus. Alors là, il faut faire attention avec l'eucalyptus parce que ça pompe tellement d'eau que ça fait baisser le niveau de la nappe. Voilà, exactement. Voilà. Ce sont des plantes. Voilà, alors il y a un beau. C'est un hymne, ça, ou ouais, c'est. C'est l'hymne, oui. C'est l'hymne. L'hymne, voilà. Mais tout ça, ce sont des plantes qui sont. Exotique, c'est-à-dire planté, tout ça, mais ce n'est pas. D'accord. C'est un résinier là qu'on voit à gauche. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, une superbe butte. Voilà, par exemple. Voilà, granitique, bien entendu. Vraiment reconnaissable à sa forme ronde, quoi. Ouais. Avec un chaos granitique au pied, quoi. Mais là, on aperçoit des rochers. Voilà. Donc, tout ça, c'est le pic. Ici, c'est le pic Wayen. Ah ah. Wayen, W. Voilà, l'autre, là, elle est beaucoup plus tabulaire. Ouais, mais ça, c'est, tu vois que c'est la forme est tabulaire. Voilà. Ouais. Et la butte tabulaire qu'on voit donc à l'arrière-plan, ouais. Elle semble être de nature roche verte. Ouais. C'est-à-dire qu'il donne de la latérite, ouais. une cuirasse donc rouge, ouais. À la différence du granit, ouais. Qui lui donne des boules et puis un relief en forme là, de ballon. Tu vois les arbres qui sont dessus, c'est que le terrain qui est vert là, c'est intéressant. Voilà. Changer de direction là. Ouais. On a voyagé vers l'est. Vers l'est, on va tourner à gauche vers le nord. Ouais. Rejoindre Boulsa. Zorgo, on est à 110 km de Ouagadougou. Ouais. Et à 70 de Boulsa à peu près. Ouais. De Kielsom quoi. 70, 160, on est à 70 km de Boulsa et. Ouais. Ouais, de Kielsom quoi. C'est... Prendre du Nescafé. Ah oui. Depuis matin, je n'ai rien payé comme Nescafé. Ah oui, bah. Vous savez que nous, les chauffeurs. Oui, on avait ce qu'il fallait sur place là-bas. C'est dommage, quoi. Mais il n'y a pas de souci, on va prendre ça. Voilà. Voilà. La première fois que je voilà. Il me semble que la sortie c'est à la hauteur de l'antenne relais qui est là-bas. Tu pars là où il y a une restauration typique du Burkina. Là, magasin d'alimentation, bazar. Des vendeuses ambulantes.
Restaurant typique au Burkina. Ouais, ouais. Et là, on est où, là? On passe devant quel... C'est un poste d'aide de repos, quoi. Ah, c'est une aire de repos, d'accord. Voilà. Ouais. Donc éclairé et puis pourvu en eau et carburant. Relativement fertile, qu'on a vu. Par exemple, une telle fertile, si on faisait des traitements uniques dessus, ouais. Ça allait donner des formidables. C'est laissé à l'état naturel. Le sol est en train de s'appauvrir d'année en année. Ouais. C'est vrai qu'avec. Écossan et l'apport de fumure et de compost, voilà, c'est vrai qu'il pourrait avoir des résultats extraordinaires. Quoi. Voilà. C'est pas une bonne voie en plus. De Zorgo à Boulsa, c'est. Tu vois vraiment des peines. Imagine-toi, il y a 60 ans, 70 ans derrière. Ouais. C'est vraiment des zones pour toi agricoles. Ouais. Et là, il y a une perte de fertilité. Oui, une perte de fertilité, les gens. Quand c'est à deux bons comme ça, ils laissent et puis ils cherchent encore des places à l'écoute. Regarde ici, regarde à gauche, là, ici, comment c'était avant. Regarde là, là où on n'a rien touché, tu vois. C'était des forêts, c'était des espaces impénétrables. Et puis là, bon, avec à force de couper des arbres, voilà, il y a eu un assèchement. Qui s'accentue et qui. Sinon, c'était des zones, quand tu passais ici, tu ne voyais pas. Mais c'était de la forêt, quoi. Puis maintenant, voilà, c'est seulement arboré, là. Voilà. Ce sont des sols lessivés depuis longtemps parce qu'on est en zone de plateau, quoi. Et s'il n'y a pas de végétation, s'il n'y a pas de forêt pour régénérer le sol avec la couche d'humus, là on voit que c'est beaucoup plus pauvre qu'il y a quelques kilomètres. Nous quittons la direction de l'Est et là nous prenons la direction de Putienga et Boulsa. Voilà, ça c'est voilà. Sapara. Au nord. Voilà, au nord. Le nord. Tiens, puis là qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un poste de contrôle. Non, c'est un poste de contrôle. Alors là, on est sur le barrage de Putienga. Voilà, on est sur le barrage de Putienga. Ah, il n'y a plus guère d'eau. Hein. Voilà. Ah oui, il y a quelqu'un qui est dans l'eau là. Ah, c'est des pêcheurs. Il y a des pêcheurs, ouais. C'est des filets, quoi. Ouais. Voilà. Alors, nous sommes à côté du barrage de quoi là? Putienga. Le de Putienga, voilà. C'est le barrage de Putienga. Ouais. Il n'y a plus guère d'eau. On est passé à côté des cultures de contre-saison, mais c'est que d'un côté, quoi. Voilà, des marchands. Voilà, sur la route de Boulsa. La crue monte et puis ça emporte les gens. Ouais, alors là c'était un barrage de pluie. C'est un barrage de Niega. Uh-huh. À quelques 25 km de ça. Voilà, et puis il n'y a plus guère d'eau hein, en mars. Y a pas, là. Voilà, l'eau n'a que. Pourtant il y a bien plu, non? Ouais, un peu quand même. Mais ils ont beaucoup tiré, non? Ouais, ouais.
Ou alors c'est l'évaporation, tout simplement. Pas seulement l'infiltration, l'évaporation, mais il y a aussi quand même des gens qui viennent. Il y a beaucoup de prélèvements. Il y a des poissons là. Il y a des poissons ici, ouais. C'est poissonné. Ceux qui vendent le poisson à Waga là, les perches. Non, ça c'est pas ici. Non, ça c'est la Pompina. C'est le sud, côté du Bénin, tout ça. Je vois comment c'est vaste, c'est bon. C'est vaste, mais. Ah oui, c'est vaste, mais c'est pas profond, c'est quoi. C'est pas profond, quoi. Il y a eu un ensablement, tu vois pas. Oui. L'entretien et tout. Bah, il faudrait prendre. Il faudrait curer ça et puis faire du maraîchage à côté, quoi. Voilà, il faut faire du maraîchage. Surélever la route. Ouais, à partir d'ici maintenant jusqu'à 20 km qui reste, j'avoue que c'est Katanga. Hein. On tangue beaucoup avant d'arriver maintenant. Les 20 km, mais il faut tanguer avant d'arriver à Bursa. Voilà, la route est très mauvaise. J'avais fait un poème. On était allé à Luxana, juste après le. À côté du barrage de Ziga. Ouais. Et c'est tout le long comme ça. Ouais. Et j'ai dit je retournerai à Luxana dans un 4x4 comme un shaker géant. En mangeant pas trop avant le départ. Avant le départ, voilà. Sinon. En ne mangeant pas trop, et puis pas voilà. Pour que des enfants puissent aller à l'école et s'en aller de chez leurs parents pour gagner leur vie et pour revenir après avec eux, apprendre leur histoire. Ouais. Et la raconter à les générations suivantes. Ça va ? Bonjour. Oui, ça va bien. Voilà, Pierre, nous arrivons à la Cité des Enfants à Bulsa, chez notre. Chez notre logeur, voilà. Et c'est là, si on est en train de la diriger vers ta chambre. Et ben voilà, installons-nous. Je suis sur Bulsa. Voilà le nouveau bâtiment du siècle. Ah oui, parce que c'est le plus haut de tout Bulsa là. C'est le plus haut de tout Bulsa là. Oui, c'est le plus haut. Ça tourne ici à droite. Ouais. Deux étages quoi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on veut quelque chose de spécial, on va dire à la femme dans la semaine? J'aime bien un poisson, mais bon, si c'est du mouton ou du porc grillé, moi peu importe, hein, du poulet, je fais pas le difficile. Ouais. On a déjà bien mangé. Ça c'est la route de Dargo. Route de Dargo, le somme à Bulsa encore, on va bientôt passer par la porte. Nous allons en direction de Kienson et Rapela pour faire une visite aux autorités coutumières. Aux autorités coutumières avant l'Assemblée générale qui aura probablement lieu à l'école. L'Assemblée générale de Gataba pour un puits Burkina Faso. Voilà le portique d'entrée de Bulsa. En route pour Kensom. Voilà, nous arrivons bientôt à Kensom. Voilà le pont. Après Tawoko. Après Tawoko, voilà le pont. Allez, c'est pas vraiment un pont parce que c'est en creux. C'est un petit radier. Un cassido, voilà. C'est un radier. Longe la route avant.
avant de la traverser. Ouais. Et c'est incroyable, en quelques années, le creusement qu'elle a pu faire. Alors je sais pas s'ils ont essayé de combler ça ou si je vais la trouver comme... très considérable là. Voilà, il y a la ligne électrique qui passe par Kelson mais qui ne s'arrête pas. Ouais. Comme le train qui allait à Pau et qui ne s'y arrêtait pas. Nous sommes sur la route régionale 2. Ouais. Alors, pas question de... d'atteindre même la vitesse autorisée. Ah oui. On peut que marcher à 20, 30 km/h. Commencer la journée très tôt demain matin. Ouais. Ouais, ça a creusé là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je vois comment la route est en train de partir. Ouais. Bientôt. Ouais. Entre les deux rivières là. Et là comment... Une rivière de chaque côté là. Ouais, ouais. Oh là, oh là. Là, là tu vois. Je voulais voir la différence. Oh, tu vois, c'est la route. Et je suis servi là. Oh là, oh là, oh là, incroyable. Ouais, là. Là, on a le... C'est incroyable. En 2014, la route était parfaitement plane. Et l'accotement était... On voyait qu'il y avait de l'eau qui avait ruisselé. Est-ce que c'est devenu en... C'est devenu un ravin, deux ravins qui... En moins de 7 ans. En moins de 7 ans. La route est complètement défoncée. Ouais. Là, ça doit être. On est déjà à Kelson. On voit des latrines écossanes déjà. Ouais, on voit des latrines écossanes, des centres d'hygiénisation. Voilà, mais c'est. Je vois que les véhicules tankos et bien. Ouais. Le lieu des manguins, et là d'ici là, ouais, ça là, mon cher, tu vois, ouais, c'est raviné jusqu'à. Et j'ai même pas vu le panneau d'entrée Kinsom, il a dû être emporté par l'eau. Ah, le chien là, voilà. Et tu as le marché de Kinsom qui est juste devant. Voilà le marché de Kinsom, ouais. Je me servais de repère au panneau de Kinsom, et là il a dû être emporté par l'eau. Là. Voilà. C'est, voilà. C'est le marché des Kelsons. Ouais. C'est fou. C'est fou, ah, en quelques. On est arrivé. Voilà, ouais. Aussi le Madi là où ils nous attendent et tout ça. Voilà la place du marché de Kinsom, où nous avions eu l'historique l'historique restitution écossane. Alors nous avons Kafando Zandemadi, qui est le président de Gadtaba, un pont pour un puits Burkina. Et à sa droite, nous avons Pierre Seyoré, qui est président d'honneur de Gadtaba, un pont pour un puits Burkina Faso. Voilà, nous avons un clair de lune au-dessus de Boulsa. Alors, ce clair de lune est un peu caché par les arbres. On va essayer de l'avoir un peu mieux plus tard. En
route pour l'Assemblée Générale à Kensum. Assemblée Générale à Kensum, le 17 mars 2021. Alors nous approchons de Kensum et puis nous pouvons voir la rivière qui creuse les flancs de la route. Géomètre prendre des mesures pour des levées topographiques. Faire des levées topographiques, voilà, pour préparer la voie, parce que là nous trouvons à l'entrée de Kensum, voilà, où il y avait le panneau. On voit le panneau qui est couché là. Le panneau est couché par terre, quoi. Il a été emporté par la force du courant. Donc voilà, après 5 saisons des pluies. Voilà le résultat. Voilà. De part et d'autre. Parce qu'il y a deux bras de rivière qui se rejoignent un peu plus loin et qui chacun de leur côté érodent les flancs de la route. Nous arrivons au cœur du village de Kensum. L'épicentre est à gauche. Voilà, c'est à gauche. Gauche, c'est l'école. Voilà. Nous voyons le château d'eau du premier projet. Et nous arrivons vers l'école de Kensum. Mais par là, c'est pas lui qui va y aller, moi. C'est pas que lui va quitter là-bas maintenant, venir s'ajouter aux femmes là. Alors là, c'est la vidéo maintenant qui est là. Ok, ce sont les femmes de. On est avec les femmes de Rapella. Voilà. De Kensum. Monsieur Christophe. Voilà, c'est l'Assemblée Générale. Voilà, monsieur Christophe avec les femmes de. Kensum et de Kensum. Et de Rapella. Et de Rapella. Pour l'Assemblée Générale. Pour l'Assemblée Générale. De Gataba. Voilà, c'est propre. À l'école de Kensum. Et l'Assemblée Générale de Gataba, un concours de Burkina, va commencer. Alors, il y a de très nombreux membres. Et nous allons faire le bilan, exposer les difficultés et définir les perspectives pour l'avenir. Voilà. Vous pouvez faire coucou. Jardin de l'école de Kensum, le potager. Les enfants volontaires pour un petit moment de film. Allez, à tout à l'heure. Des tas de moellons qui sont prêts à devenir de futurs cordons pierreux.
Alors, ce qui a été collecté pour faire les futurs... Pour transporter dans les champs maintenant. Voilà. Il nous reste pour transporter dans les champs et puis continuer le travail. Uh-huh. Très bien. Voilà, il y en a encore au-delà qui sont prêts à être répartis dans les champs. Alors là, ce que nous voyons ici, c'est ce qui a déjà été transporté à Kiensomerapela et qui n'a pas été encore aligné, mais qui c'est imminent. Voilà. Alors ici, nous avons un tas de pierres, de rochers, qui ont été extraits à Kiensom même, et qui sont prêts à être transformés en cordons pierreux. Voilà, une partie des courageux, enfin des représentants du Gattaaba, et également des forces de sécurité locales. Voilà, merci à eux tous qui ont préparé cette journée. Voilà, merci. Ici, c'est l'emplacement du sésame qui a été récolté dans le champ école, donc sur une surface de 1 ar. Voilà. C'est le sorgho blanc. Là, c'est le sorgho blanc. Très bien. Donc là, ce sont les parcelles de Kiensom. Ici le champ école, donc avec application de FSS. Ici le champ de sorgho blanc avec application de FSS et les champs témoins. Ici en sorgho blanc et là en sésame. Voilà. Moi, je suis de la famille royale, de la chevalerie de Nancy. Mais à Fora, quoi? Donc, il y a même chose. Comme je pose la question, mon famille m'a amené, je ne sais pas ce que je vais dire. Sur le nom Kafandola. Voilà, donc arrivé là-bas, vous allez chercher un vieux. Voilà, alors on a les cordons pierreux ici. Voilà. Voilà, que vous avez fait avec les niveaux. Le niveau. Voilà les triangles. Les triangles, oui. Ouais. Ouais. De même, jusqu'au. Vous voyez. Oui, jusqu'à à la butte. Voilà. Jusqu'à la butte qui ne peut pas être cultivée, quoi. Oui. Où il y a les arbres. Oui. Ah oui, c'est. Ça représente quand même un travail considérable, quoi, parce que il faut non seulement les extraire, mais encore les acheminer sur quelques kilomètres. Avec heureusement il y a un camion pour aider quoi. Catholique. D'accord. Local, d'accord. D'accord, il est responsable de la mission catholique locale. D'accord. Et il va nous montrer c'est la latrine écossaine. Voilà, alors elle fait partie des 25 premières ou alors latrines ou alors de celles qui ont été construites des 50 des 50 les 50 latrines qui ont été construites d'accord. Qui ont été construites des latrines subventionnées. Donc voilà. Voilà. Donc, ça va, voilà l'intérieur qui est propre, quoi. Voilà. Donc on voit le trou pour déféquer avec la à droite la. Avec la en dessous la fosse en cours de remplissage et on voit à gauche la fosse en cours d'hygiénisation.
Donc dessiccation intense. Voilà, on voit la cheminée par laquelle la vapeur d'eau peut s'en aller. Ici les cendres et les cendres pour se laver les mains et le papier pour s'essuyer. Voilà. Donc ici le foyer où la cuisine est faite, qui est pourvoyeuse des cendres. Voilà. Alors nous voyons le puits à large de Yannettre, la carité et sa termitière. Voilà, nous voyons le château d'eau. Au fond. Voilà, une pompe manuelle, petit Pendia, donc à proximité de la concession où nous avons pu filmer Yatrini Kosan, voilà, avec... Là, alors nous visitons une latrine Kosan construite en banco. C'était les 25 premières latrines à crédit. Les 25 premières, oui, oui. Voilà, les 25 premières latrines à crédit. Alors l'utilisation du banco impose un crépi et puis un entretien plus régulier. Néanmoins, là, on voit que la dalle est bien faite, les marches sont bien entretenues. Voilà. Il y a un entretien régulier donc qui préjuge d'une durabilité du dispositif. Quoi. Alors comme partout, il y a la cendre pour se laver les mains et voilà, la fosse en cours de remplissage. Voilà, la cheminée pour l'évacuation des. Voilà, puis pas d'odeur excessive, quoi. Un coin pour faire la toilette, voilà. C'est un grand progrès par rapport à avant, quoi. Voilà. Va venir, voilà. Alors, c'est là où nous avons été précédemment. Voilà. Alors là, ici, c'était une famille nombreuse avec une seule concession, mais ça a justifié la construction d'une latrine, donc cette fois-ci subventionnée. Une latrine subventionnée et qui a dispensé de crépissage du fait de l'utilisation de ciment. Donc pour une durabilité plus grande, avec moins d'entretien, voilà, toujours pareil, propre. Sans odeur, donc là. On voit que cette fosse-là va bientôt être vidangée. On voit que la cendre qui est en surface. Et celle-ci va bientôt être vidangée plutôt, et celle-ci va être bientôt fermée. Voilà. C'est bon, ça a démarré. Voilà, alors ici nous avons une latrine Ecosan. Qui fait partie des 50 latrines subventionnées, donc construites avec des blocs de béton en ciment, avec du ciment, pour plus de durabilité. Voilà les membres de la famille bénéficiaire. La famille Kafando. La famille Kafando, ouais. Voilà, qui est heureuse d'utiliser ces latrines pour la santé et puis pour la production des fertilisants pour leurs champs. Ok, merci beaucoup. Quel quartier, le nom du quartier? D'accord. À qui en sommes? Donc encore une latrine subventionnée, une des 50 latrines subventionnées. Voilà. Donc pareil, entretien irréprochable. Voilà. Si vous voulez une pause, la famille va sortir. Oui, oui, je veux bien. Ok. Il y a La famille Kurao. Nous sommes devant une latrine subventionnée. Voilà, très bien entretenue. On a vu la séquence vidéo précédente.
Donc félicitations à cette famille qui entretient bien son outil de travail pour la santé, pour la fertilité de Sacha. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Escorté par les forces de défense locales et d'autres membres de l'association Gattaba. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Mettez dans la sauce. Et tout. Vous mettez dans la sauce. Ouais. Allez, et puis vous mangez, ça ne va pas vous tuer. Allez, mangez. Encore un peu. Allez, la compassion. Encore, voilà. C'est vraiment beau. Ouais. Voilà. Encore un peu. Monsieur Christophe, le taux, c'est bon? On ne parle pas en mangeant. Mangez. Allez, voilà. Finissez le plat et puis après, vous finissez. Merci beaucoup. Bon appétit. Repas commun de l'Assemblée Générale. Alors, il y a du thau de maïs blanc. Il y a de la sauce gombo et il y a de la soupe au poulet avec de la graine de néré. Voilà. Là, nous sommes quartier de Nakomsa, à l'ouest de Kiensom. Par ici, nous avons le stock de fesses du quartier. Comme c'est un, oui. Là, comme ça, un et deux. Là, comme ça, un et deux. Donc, les fesses de deux quartiers. Voilà, alors il n'y a pas de mauvaise odeur. C'est tout à fait convenablement stocké. Voilà. Donc très bien pour les habitants de ce quartier là qui mettent en commun leur fertilisant. Ils notent le nombre de chaque bénéficiaire. D'accord. Voilà. Avec leur nom respectif noté. Avec leur nom respectif, voilà. Celui qui a 7 sacs, il va noter que tu as 7 sacs. Voilà. Celui qui a 10 sacs, il va noter. Voilà. Là, au niveau de la saison, tu viens. Voilà. Tu récupères tes fesses. Ouais. Et tu pars dans ton champ pour l'appliquer. Pour appliquer. Voilà. Alors, les applications dans les champs individuels n'avaient pas encore commencé, c'est ça? Non, ils n'ont pas encore commencé. Donc, d'accord. C'est cette année. Cette année, c'est la première application dans les champs individuels. Très bien, merci. Oui, d'accord. Et on va visiter quelques latrines encore. Voilà, dans le quartier de Nagomsa. Oui. Donc là, direction, le maraîchage par les femmes. Par les femmes. Voilà. Voilà, alors voici un abreuvoir. Alors les puits à grand diamètre ne sont utilisés que pour abreuver les animaux.
voilà, pour avoir une idée de la profondeur. Voilà, alors l'eau elle est à peu près une quinzaine de mètres de profondeur. Voilà, l'eau se trouve à 25 mètres de profondeur. Voilà, donc voici la zone maraîchère. Voilà. Mais, ouais. Voilà. Qui a été financé donc par des fonds internationaux. Le programme des microfinancements du FEM. Le FEM. Voilà. Et également des fonds internationaux. Ici nous voyons la zone maraîchère. Alors le maraîchage cette année a été abandonné à cause du manque d'eau, parce qu'on a voulu prioriser l'eau de boisson. Voilà. Voilà, on voit que ça peut servir aussi pour abreuver les animaux. Alors, nous sommes à Nakomsa, dans le quartier de Nakomsa. Voilà, voilà. Vu du local où sont stockés les FSS. Alors, le local où sont stockés les FSS a été construit exprès ou alors il a été réutilisé pour ça? Le magasin? Oui, le magasin. Non, bon, il n'a pas été construit pour ça. Ah. C'est un magasin du quartier. Oui. Donc, ils ont préféré l'assemblée des FSS. Ici, oui, ici, oui. Ici, voilà. En raison de leur intérêt. De leur intérêt. Voilà. Vu que chacun va garder chez lui, oui. Bon, il préfère les rassembler dans le magasin. Très bien. Comme c'est le magasin du quartier. D'accord. Ouais. C'est le centre d'hygiénisation et de stockage des urines. Mmh. Voilà, du quartier de Nakomsa. C'est 1 et 2 1 et 2. Le 2 et 2. Voilà. D'accord. C'est sa maison qu'elle a. Alors, voici la concession du président Kafando Zandemadi. Voilà. Le centre d'hygiénisation. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Les dates sont marquées sur les bidons, quoi. Alors il faudra veiller à être plus précis sur les dates en raison de la conservation limitée des. Il faut un petit peu plus rigoureux dans la datation en raison de la présomption des urines hygiénisées qui perdent leur azote durant le temps. Ici, nous nous trouvons à l'arrière une latrine écossane, donc des 25 latrines à crédit, voilà, donc avec un crépi au goudron, là, pour plus de durabilité. Elles sont fabriquées en banco. Voilà. Et là, bon, c'est la collecte des urines. Voilà, la cheminée d'aération. Voilà, nous entrons dans la concession de Kafando Zandemadi, le président de Gattaba pour un puits. Voilà. Hamza, bé! Hamza! Voilà. Donc, avec la cendre, la fosse en cours de remplissage, la fosse en cours de dégénisation, voilà, le papier qui est utilisé pour l'hygiène, voilà, toujours l'exutoire, l'endroit pour la toilette, voilà.
On s'est bien entretenu, il n'y a rien à dire. Voilà, donc une latrine parmi les 50 latrines subventionnées construites en 2020. Voilà. Voilà, donc ça va, l'hygiène est très bien. Voilà. Donc, alors, comme c'est une, grande, comme c'est une très grande famille, bon là il y a trois. Il y a trois latrines écossanes, donc celle-ci étant une latrine subventionnée, donc des 50 qui ont été construites en 2020. Voilà. Donc, très bonne hygiène, alors papier à la cendre, comme d'habitude. Écoute maintenant. Voilà, alors, nous sommes dans la concession du président de Gattaba, 92 ans de Madi, et voilà, c'est une très grande famille, donc ce qui fait qu'il y a trois latrines écossaines qui ont été construites. Donc une en banco parmi les 25 latrines à crédit, et deux parmi les 50 subventions. Merci. Ici on voit les premiers cordons pierreux, voilà, qui ont été posés, et là-bas carrément vraiment des longueurs assez considérables. Voilà les cordons pierreux. Voilà, quartier Nakobsin. Voilà. Voyons une longueur très considérable de cordons pierreux qui ont été posés. Ça, c'est le champ du président. Ça, c'est votre champ là? Oui, oui, voilà, ouais. C'est privé. Et voici le champ école. Le champ école est par là? D'accord. Voilà. Alors, ici, vous avez cultivé. Là où la pratique de FSS. Voilà, Écossan. Écossan. Oui. Voilà, et donc, je l'ai fait aussi. Je suis un témoin. Oui. Il est caju, ouais. Caju. Caju, ça, c'est du petit mille. Le petit mille, d'accord, oui. Et de l'autre côté, c'est du soja. Le soja, d'accord. Ça, c'est du soja. Oui. Avec la pratique écossane, d'accord. C'était le chant témoin. D'accord. Bien. Je vais parcourir la longueur là pour voir combien de mètres de cordons pierreux ont pu être posés dans ce quartier. Moi, il y a 118. Bon, vous avez démarré. Et c'est vous, vous avez débuté le comptage. Voilà. Donc 119 mètres pour celle-ci. Et puis, on peut en compter 1, 2, 3, 4. Voilà, il y en avait... Bon, là, ça ne fait pas partie. Oui, oui. Là, c'est son champ. D'accord. Voilà. On va visiter la concession de l'imam. Qui habite à côté de la mosquée du village. Alors, l'imam dispose d'une latrine écossane subventionnée que nous voyons là. Voilà. Les moutons. Et les vaches, tu l'aimes? Comment, les vaches? Oui. Ben, dans ma région, la principale agriculture, c'est l'élevage des vaches pour faire du fromage. Ouais, ouais, ouais. C'est ces variétés laitières. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, l'imam. Ouais. Enchanté, très honoré. Non, moi, Voilà. Voilà, donc là, c'est en cours de... Voilà, donc les latrines de l'imam. Ouais. Du village de Kiensom. Ouais. Voilà, donc elles sont entretenues de manière exemplaire. Ouais. Pas d'odeur.
Voilà, c'est vraiment un lieu d'aisance qui apporte beaucoup en termes de santé. Et je remercie l'imam aussi devant la caméra à la restitution d'avoir vraiment dit publiquement que c'était pas contraire au principe de l'islam. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai, tout simplement, hein, la santé des fidèles, ça importe. Ceux qui sont proches, quoi. Et puis fertiliser les champs. Oui, oui. Vous pouvez lui saluer, lui serrer la main. Merci beaucoup à vous deux. Voilà. Voilà. C'est ça, ça. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Ouais. Alors là, nous sommes à la concession du petit frère de l'imam. La famille Sengdiogo. Oui, Sengdiogo. 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 Voilà. D'accord. Voilà, donc il s'agit d'une latrine subventionnée parmi les 50 qui ont été construites. Voilà. Donc voilà, on peut rentrer, hein, la propreté est irréprochable. Ouais. Elle est vraiment très propre. Très propre. Pas d'odeur. Pas d'odeur, oui, c'est bien. Oui. Ça, c'est à la conception, c'est quand ils fabriquent la latrine, quoi, qu'ils font bien attention comment ils l'orientent par rapport à la pluie, à par rapport au soleil. Au soleil, effectivement. Voilà. Il faut que la fosse soit bien éclairée par le soleil, chauffée. Ok. C'est bon. Et voilà, comme ça, deux. La comme ça, deux. D'accord. Donc notre quatrième quartier, la comme ça, deux. C'est du Twedo là? Twedo? Là? Twedo? Là? Twedo? Waka? Mais c'est pas Twedo, ça c'est Waka. Ah, c'est Waka? Waka. C'était pas Baobab. Voilà, alors nous sommes au quartier de Nakom Saint 2. Voilà. Fausse fumière. Voilà la race de Lyon. Ici nous sommes à Nakomse 2. Voilà. Et lui, son nom, comment il s'appelle? Cafando Jean-Baptiste. Cafando Jean-Baptiste. Voilà. Donc, il entretient bien ses toilettes. La fosse, elle est remplie. Oui. Bientôt, il faudra faire la vidange. Et puis, on voit, si tu t'approches, là, tu vois que la fosse actuelle est bien remplie. Oui, oui. Il faut prendre le bâton et puis éparpiller, voilà. 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 Donc très bien. Bien entretenu. D'accord, merci. Vous allez vous serrer la main. Voilà. Donc. Monsieur Cafando Jean-Baptiste. Cafando Jean-Baptiste. Voilà. C'est le nom de mon plus jeune fils. Ah ok. Non, c'est votre fils. C'est votre fils. Ouais. C'est le même prénom. Ouais.
Voilà, à l'arrière d'une des 50 latrines subventionnées, construites en 2020. Voilà, dans le quartier de Saint-Massin. Voilà. C'est la concession du frère du Naba, du chef de terre. Du chef de terre. Voilà. Ça, la drine qui est là. La propreté exemplaire. Hein. Ouais. Rien à dire là. Ouais. Bon, une odeur c'est tout à fait supportable, c'est normal. La Somaïla Kourago. Ok. D'accord. Somaïla Kourago. Oui. Ok. C'est bon. Le chef de terre. D'accord. On va s'approcher. Vous allez serrer à nouveau la main. Oui. Et vous allez la serrer à nouveau la main. La main. Voilà. C'est la première fois que je vois, mais enfin, je suis venu trois fois, et c'est la première fois que je vois, mais on a rattrapé le temps. Il a quelque chose à dire. Qui ne peut pas estimer. Très bien, et je reconnais vraiment la part aussi de travail, de très grand travail de tous ceux de Kielson Meratela. Tout le travail ensemble, et puis accepter de travailler ensemble, unis. C'est pour moi des plus belles choses à voir sur la terre. Bon, voilà, il y a la bam nénénwa, bam mais sur les amours, les bam ça rien n'est pas un truc ça rien qui se mène là. Pour nous pour qui on se met la pierre là. Et il y a le bel rien mais rien. Donc il est sur le nom. Et voilà, n'est pas un ça rien comme nous pour nous pour toi. Et il est sur le nom mais. Aïe, 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 malgré tout voilà tout le monde nous a engagés tout le monde nous a donné des ailes à ce que la même passe et que la neuf ans la santé l'intelligence alimentaire la protection de l'environnement donc et c'est le bilan qui sont en train de dire donc c'est, il ne peut pas estimer donc, ouais. Ah, monsieur Christophe. Bah, rien mais son en tout. Voilà. Alors, voici donc c'est une latrine à crédit. Oui. Elle fait partie des 25 premières latrines à crédit, donc en banco. Oui. C'est cette matière-là. Ah. Et crépi pour la durabilité, parce oui. que c'est de la brique de terre crue qui est sensible à la pluie. Oui. Et donc le crépi, c'est un facteur de longévité, donc il faut bien le surveiller, l'entretenir, oui. bien vérifier que la pluie n'a pas creusé. Et puis au pied aussi, là, l'entretien est très bien fait. Quoi. Moi, c'est très bien, c'est très propre. Ouais. C'est
Voilà, c'est Kourago Suleiman. Boulema. 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 Oui. Ça est bon. Fait partie de la sécurité. Kourago. La force autodéfense locale. Autodéfense locale. Voilà. On nomme Kourago. D'accord. Et... Pour le protéger l'environnement. L'environnement, oui. Mmh. Et c'est eux qui ont assuré notre sécurité tout, voilà, le, oui. Tout le long de notre séjour. Ouais. Voilà. Et comment ça existe depuis longtemps ou alors ça a été créé récemment? Bon, ça a été créé en 2014. 2014, oui. Pour le héros, on a. Voilà. Voilà. Voilà pour la sécurité des populations. Voilà. Voilà. Ils connaissent bien. Voilà. Donc c'est ici que voilà. La formation des cordons pureux, parce que il y a le ministère de l'Agriculture qui a formé toute la population. C'est sur ce terrain que nous avons fait notre formation. Voilà. Donc le propriétaire du chien. Ouais. Très bien. Monsieur Kourago Idrissa. Idrissa Kourago. Oui, c'est un travail considérable. Hein. On voit même au loin, là, c'est... Un grand coin. Un grand coin. Ouais. Ouais. Donc vous avez pu aligner ça au triangle, tout ça, voilà, pour suivre les courbes de niveau. Quoi. Oui, oui. C'est bien, c'est quand même une longueur assez considérable. Hein, c'est... Voilà, on voit des longueurs considérables de cordons pierreux qui ont été posés cette année. Preuve du sérieux et de la grande motivation des habitants de Kiensomerapela. Formé par la zone d'assistance technique de Boulsa. Voilà un lieu qui peut probablement servir de carrière. Alors là, nous sommes à Kiensom encore. On est encore à Kiensom là. Ah oui, c'est Kiensom. Et là, on peut prendre des... Voilà. Alors nous arrivons sur une butte cuirassée qui se débite en bloc. Et... Nous voyons un travail remarquable de débit de rochers, quoi, c'est... Ça représente quand même beaucoup de travail, ça. Hein? Beaucoup de travail. Voilà. Vous avez été courageux, hein. Donc, c'est une retenue d'eau, donc. Donc, c'est évite de faire une rivière, quoi. Une rivière, bon. Ce n'est plus une digue, c'est une digue. Une digue filtrante. Une digue filtrante. Voilà, c'est ça. Vous pouvez avancer. Ouais. Et ça demande beaucoup plus de moyens. De moyens, oui. Parce que s'il est en train de le faire comme ça, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Sinon. Et s'il allait le faire avec du ciment, Comme ça fait une petite retenue. C'est une digue filtrante. Filtrante, oui. Donc, ouais. Voilà, donc une digue filtrante. Voilà, une digue filtrante, c'est l'initiative d'un seul propriétaire, voilà, qui a commencé la saison précédente. Voilà, l'extraction se fait ici. Donc là, nous nous trouvons sur la butte
avec cuirassée sur laquelle nous pouvons extraire des blocs et des pierres pour les cordons pierreux. Et on voit les cordons pierreux là qui ont été mis en place cette année avec un début de végétalisation. Voilà. Alors en suivant le sens d'écoulement de l'eau, on voit que les cordons pierreux freinent le ruissellement. Voilà. Donc la vitesse est considérablement ralentie, ce qui évite l'érosion. Et là justement, il y a constitution d'un bas-fond avec la digue filtrante, à côté de laquelle nous sommes passés tout à l'heure. C'est quelqu'un encouragé? Là, si on met un crépi, voilà. Un crépi, ça va faire des temps. C'est vraiment Donc, en décembre, jusqu'au moment de la saison pluvieuse, il a arrêté. Donc, en décembre, il a commencé la collecte des pierres. Et au niveau de cordon pierreux là-bas, c'est un mois qu'il a fait tout ça. C'est gros, c'est au gros héros que vous voyez. D'accord. À lui tout seul, il a... Bon, avec sa famille. Avec sa famille, oui. D'accord. En gros, c'est dans 5 mois. Oui. En 5 mois. Il a réussi à faire tout ça, oui. En 6 mois. C'est encourageant pour les autres, à plus forte raison pour ceux qui n'ont besoin de cordon pierreux. Et là, une digue filtrante, c'est vrai.
Parce que le sol est assez étanche ici, c'est assez satisfaisant l'étanchéité, l'argile qu'il y a ici. Donc ça va rentrer. Ça va boucher. Ça va boucher. Donc au fur et à mesure, l'eau va s'arrêter. Et puis elle aura le temps de bien s'infiltrer pour le. Sur le sol. Dans le sol, ouais. Voilà, nous avons encore des cordons pierreux. Alors, ceux qui sont bien parallèles aux courbes de niveau, donc qui peuvent vraiment remplir leur office, sont souvent, le plus souvent, celles qui ont été faites récemment sous la direction des services techniques de l'agriculture. Donc, il est en train de creuser surtout là. Stocker l'eau. Donc, il va lever la moto. Donc, à la saison qui vient, puisque c'est pas à sa croix qu'il pleut. Mais s'il y a l'eau stockée, quand la pluie s'arrête, Un travail considérable réalisé à la main, donc c'est une retenue d'eau. Sur 8 mètres. 13 mètres sur 8 mètres. En profondeur, à jour de main. La profondeur, 2 mètres. 13 par 8 par 2. Ça fait 114 fois 2. Ah. 16 fois 208. 208 mètres cubes. 208 mètres cubes. Ah, vraiment, c'est encourageant. Alors, nous sommes de retour à l'école de Kien Somme après avoir vu les 5 quartiers de Kien Somme. Donc, attention. Là, ouais. Oui, c'est bon, c'est bon. Et demain, nous irons visiter les quartiers de Rapela, donc au-delà de la butte là, que nous voyons à l'arrière-plan. Et là, nous voyons la marnière faire les briques en banco, et on voit au loin l'extraction, la confection des briques en banco. Voilà la butte de Rapela, on voit à l'arrière-plan. On voit bien à quoi servent les briques en banco. C'est le matériau de base de construction des habitations. Voilà l'école de Kien Somme. Voilà, avec la cantine à l'arrière-plan. Et les latrines écossanes. Donc une petite visite aux latrines écossanes pour voir comment elles sont entretenues. Voilà, nous voici devant la maison du directeur. Voilà, après avoir visité les 5 quartiers de Kien Somme. Il est là ? Oui, oui. Voilà, nous attendons Pierre Sayoré et puis nous allons faire un petit bilan et nous séparer. Donc à demain pour Kien Somme et Rapela. Pour Rapela. Voilà, nous sommes à l'entrée du village de Kien Somme. Le panneau a été couché par le courant d'eau dont nous voyons le travail là. Je suis dans le lit de la rivière qui longe, le petit bras de rivière qui longe
la route régionale numéro 2 qui relie Boulsa à Dargo. Et puis là, voilà. Donc, on voit vraiment l'action de l'eau qui est redoutable. Voilà. D'où l'intérêt des aménagements contre l'érosion. Maintenant, il s'agit de sortir de la rivière. Voilà les enfants en récréation à l'école de Kinsom. Voilà. Donc la cérémonie des couleurs a eu lieu. On voit le drapeau bas pavillon burkinabé. Là. Bonjour les enfants. Le Nassara est revenu pour quelques heures, hein, il va repartir à midi. Mais en attendant, vous pouvez faire coucou et, aux enfants de France. Voilà. Voilà. Voilà, bien à vous les enfants. Voilà, prenez bien à l'école et puis après vous aurez un bon métier. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien. Merci. Allez. Tous les enfants. Merci les enfants. Allez, je vais voir. Hey, doucement. Les enfants de la classe. On a trouvé quelque chose pour conserver les... Ça c'est, on va commencer par les bacs à dos, ou bien... Voilà. Là, ils ont servi il n'y a pas longtemps.
Oui, oui, ça va être servi de temps en temps. La poignée qui a été enlevée pour éviter que les enfants s'amusent. Quoi. J'avais vu qu'il y avait des abeilles qui venaient boire. Oui. Et c'est très bon. C'est très bon que les. Il faudrait prévoir même que les abeilles, les oiseaux et toujours un peu. Ils viennent boire, parce qu'après, s'ils ont à boire, ils viennent à manger ici. Ils viennent manger ici les. Merci. Bonjour. Bon, on a l'hiver. Bonjour Samuel. Oui, très bon, très bon. Il manquait plus que toi, tu es arrivé, il manque plus rien. Ah, donc c'est accomplé. Il manque plus rien ni personne. Donc c'est accomplé maintenant. Voilà, je suis comblé maintenant. Ok. On voit les abeilles. On voit les abeilles là qui boivent. Qui viennent boire. Quoi. L'abeille africaine, quoi, qui a le corps jaune, qui a beaucoup de jaune. Beaucoup de jaune et. Ouais. Et qui va. La reine vole très loin pour se marier. Quoi. Pour se marier. Pour butiner les fleurs. Quoi. Elles ont deux ou trois fois plus de chemin pour se remplir, pour faire leur miel qu'en France. Quoi. Ah, c'est le moringa, très bon ça. Le moringa, oui. C'est très bon. Ça, le long des digues, tout ça, des cordons pierreux, il faut en mettre beaucoup. Il faut en mettre beaucoup. Voilà. Effectivement, ça aide au niveau de la pharmacopée. Oh. La moringa. Ouais. Vraiment, c'est très, très, très utile. Ouais, c'est riche quoi. Et puis là je vois avec satisfaction que j'ai fait une gousse. Parce que quand j'étais venu à descendre avec rien dessus, je me suis dit ça rend pas beaucoup, mais là je vois. Ouais, c'est un arbre, on appelle ça l'arbre du voyageur aussi. Parce que c'est là qu'il peut se restaurer sans risque et puis c'est bon pour lui. À Moré, on appelle l'arbre du paradis. L'arbre du paradis? Ah oui. Argentine. Voilà, il y a une papaye. Elle a commencé à donner. Ouais. Ça donne. Papayer, ouais. Vous avez votre appareil à côté? Et tu l'as tiré à ta pose. Maintenant, on a un appareil. Après, il va m'envoyer ça pour moi. Voilà. Ce qui fait qu'il suffit d'un gramme de. Un gramme de la plante, 3 ou 4 ou 5 fois par jour, un poudre que tu prends comme ça, mélangé avec du miel, pour passer les paliers. Voilà, donc je vais passer ça. Alors ma poudre, elle est pas, c'est pas la dernière récolte, donc peut-être qu'elle a perdu un peu des qualités, mais moi ça permettra de faire quelques essais. Et je pensais surtout pour les femmes qui ne peuvent pas trop prendre de médicaments parce que j'avais. Donc je ferai passer ça par c'est très très fragile, autant elle est très fragile au tout début, après quand elle est en fleur, personne ne vient la manger parce qu'elle est trop forte. Le principe qui justement lutte contre les parasites intestinaux aussi. C'est une plante qui est très. C'est la meilleure chose qui vient de Chine. Parce que ce qui vient de Chine, c'est pas toujours très bon, mais là, la c'est plante, vraiment. Là, ça... c'est... Elle rattrape une bonne partie une du bonne reste. Une bonne partie du reste. Hey, Naïko. En route pour Rapela. Donc, pour les dernières visites. La visite aux deux derniers quartiers. Voilà. Voilà, bah finalement, bah nous allons en voiture à Rapela et ces deux quartiers. Ok,
Parce que c'est pas nécessaire de faire un plus de temps. Bye bye, King. En route pour Rapella. Donc là, c'est quel quartier ici? Comment? Cancera. C'est ça, je prononce bien ou je dis un autre mot là? Non, en fait, la prononciation est la bonne. Voilà. Alors ça, c'est des anciens, c'est des anciennes installations ou c'est des nouvelles là déjà? Non, c'est des anciennes. C'est des anciennes celles-là. Voilà, et puis là, et... c'est la nouvelle pour là, c'est, là, c'est les nouvelles à venir là. Elles sont pas encore en place. La montagne de Kensomerapella. Défense locale qui nous devance. Voilà. Paré à toute menace éventuelle. Alors là, là encore, ce sont des digues anciennes, celles-là. Oui, c'est des anciennes. Voilà. Voilà, puis la, la montagne de Rapella. Enfin, de Kensomerapella. Voilà. Les montagnes, ça, il y en a assez, il y a des dizaines. Voilà, mais là, on peut pas... Elle est un peu sacrée, non, cette montagne? Non, bon, elle n'est pas sacrée. Bon, même si elle est sacrée, on accède. D'accord. On peut accéder? Oui, on peut accéder. Alors, soit hier, moi, j'avais voulu monter pour prendre une photo, mais non, bon, même si que c'est sacré... Non, on accède. Mais il vaut mieux demander avant. Ouais, il faut demander avant. Non, sans problème. Sans problème. On peut accéder sans. Voilà. Bah, il y a un petit détail qui nous a montré qu'il est venu la mer. Vraiment, il y a là. Voilà. Mais on... même du temps de la tour, il clive. Mais. Ah, non, il y a un détail. Voilà. Nous arrivons à Rapella. Ok. Monsieur Christophe, c'est la vidéo qui est là. Voilà. Nos potins. Voilà. Donc les bidons sont bien remplis, bien datés. Ah, le premier que je vois, il est bien. On va prendre un autre au hasard. On va voir. Voilà. Peut-être avec des crayons en cire. Voilà, je pense qu'il faut des crayons en cire. Et ça va rester. Ça va rester.
On va trouver quelque chose pour écrire. La clé vous donne, vous voulez dire, si on y est, j'aime bien. La clé vous donne, c'est bien, mais c'est bien. Voilà. Alors là, c'est une des 25 à crédit, voilà, voilà, les premières qui ont été construites en banco. Donc là. Comment ils s'appellent ? C'est propre. Ça va trop ça. Il y a une bonne réserve de cendres là. C'est propre, bon, il n'y a pas d'odeur excessive. Hein, c'est. Monsieur... Il fait très chaud, c'est chez. Monsieur Kipsa. Kipsa Sawadogo. Animateur du Rapala. Voilà, et président, vice-président. Vice-président de l'association Gataba, un pont pour un puits. Oui, et... très bien, et qui a accepté de donner la main d'association pour améliorer les conditions de vie dans, des villageois. Et... des personnes qui sont sous son autorité et sous l'autorité de son père qui est chef de terre. Chef de terre, oui. Et j'avais trouvé un air de famille sur les images. Oui, je me suis dit que... On peut vous saluer ? Voilà. Voilà. Gataba. Voilà. Alors là, il y a des cordons pierreux qui... date déjà d'un certain temps, ceux-là, je pense, parce qu'ils marquent beaucoup les limites de concession. Oui. Voilà. Mais il était nécessaire de beaucoup développer les cordons pierreux parce que c'est eux qui gardent, qui sont les gardiens de la fertilité du sol et du sol lui-même. Nous arrivons dans le deuxième quartier de Rapela. Il a un nom, ce quartier de Rapela ? Rupane. Ropane ? Oui, Ropane. Ropane, d'accord. Merci à nos forces de défense locales qui nous accompagnent. Voilà, pour éviter toute mauvaise rencontre et dissuader tout éventuel brigand. Ils sont formidables. Ouais, oui, oui, c'est vrai, ils seront les premiers. Ils seraient les premières cibles. Là, nous voici dans le deuxième centre d'hygiénisation, dans le deuxième quartier de Rapela. Il semble qu'il y ait beaucoup moins de latrines construites dans ce quartier éloigné. Oui, comme c'est plus éloigné, je voilà. Préfère ensemble, chacun met auprès de sa construction. Voilà. Comme c'est à réutiliser. Voilà. Sinon, pendant la saison, pour les ramener, ça serait difficile. Ce serait difficile, d'accord. Donc ils hygiénisent chez eux. D'accord. De toute manière, comme on est très loin du moment d'utilisation, la vigilance quant à la date, c'est surtout une question de péremption qui se pose. Oui, effectivement. Donc, ça va. Très bien. Donc. Ah oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a un dedans. Voilà, il y a une deuxième. Oui, quoi. Je vois avec satisfaction que le crépi a été refait. Oui, oui, ça a été crépi en ciment. Voilà, c'était recrépi en ciment. Et là, tu peux par ici. Là. Donc là, c'était recrépi en ciment. Donc là, c'est une durabilité. Il y en a pour 5 ou 10 ans avant de refaire un nouveau crépi. Parce qu'elles sont réalisées en banco. Quoi, c'est les 25 premières vitrines à crédit qui ont été construites. Donc.
vu la motivation et l'émulation. Maintenant construit en dur comme ça. Bonjour. Le propriétaire de la, oui, de la cour. Bien, on va. On va pas le demander de se mettre en position, mais on va néanmoins poser ensemble. Le gataba. Voilà, on va poser l'image ensemble et rien d'autre. Ouais. Son nom c'est Yura. Sawadogo Bangba. Monsieur Sawadogo Bangba. On appelle comment les... Bon, c'est des marmites. Marmite. Des marmites traditionnelles. Alors, elles sont en argile, elles sont poreuses, elles permettent de garder l'eau fraîche. De garder l'eau fraîche, oui. On va parler d'évaporation, l'accès de chaleur. Alors, vous appelez Amioura. Sawadogo Kurita. Kurita. Kurita, d'accord. Voilà, et le plus jeune bénéficiaire des latrines écossaines subventionnées. Ouais. Voilà. Parmi les 50. Parmi les 50 construites en 2020. Et donc, propreté irréprochable, quoi. Voilà. Voilà, juste pour les urines. C'est bien de mettre un peu de cendre pour éviter l'odeur, mais il faut faire attention de ne pas mettre trop de cendre avec les urines parce que ça peut diminuer l'urée. Mmh. Voilà, ça peut faire baisser l'urée. Voilà. Donc, permet roule-moi. C'est en mettant au niveau du fesses, bon, c'est là pour le vin qui amène, sinon voilà. Ah oui, il ne met pas là-bas. Ah d'accord, voilà, c'est bien, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, si c'est le vent, c'est rien. Voilà, c'est le vent. C'est bon? C'est bon. Ah, ok. Nous sommes en route pour le sommet de... Voilà des nouvelles collectes. Voilà. Voilà, de la montagne de Rapella. Donc, effectivement, il y a vraiment un point de collecte intéressant en termes de pierres, même si elles sont un peu trop petites. Elles peuvent néanmoins être placées dessous, surélever les autres et pour donner des digues filtrantes. Ça pourrait être un très bon matériau, facile à récupérer, là, parce que ça jonche vraiment les grandes surfaces, et puis ça pourra permettre d'utiliser ces champs qui sont complètement ruinés. Voilà, donc ici, il y a des pierres qui ont déjà été collectées. Voilà, on en voit qui ont été fraîchement brisées, quoi. Ouais. Oui. Et vous allez prendre l'appareil. Vous avez dit que vous allez. Oui, je vais faire une vue panoramique, ouais. Avec le portable. Ouais, oui. Ah, avec le portable. Avec le portable, oui. Ah oui, avec tu me prends mon appareil photo qui est là-bas. Oui. Qui est le, c'est le sac noir, voilà, le petit sac noir à mes pieds. Okay. Voilà. Voilà, donc nous sommes avec les forces de défense locale. Nous montons sur la montagne de Rapella, d'où nous aurons une vue panoramique de l'ensemble du paysage, et après nous quitterons rapidement les lieux afin de ne pas éveiller l'attention de malfaiteurs ou pire encore. Ouais, même si on va aller à l'origine, on voit les montagnes où on peut s'approvisionner. Ah oui, ah oui, c'est tout, sont toutes des carrières de la terre, de Rapella aussi. De Rapella. D'accord. Voici de l'autre côté, Tierson. Je vous ai bien dit, c'est des dizaines. Ah oui. Des dizaines de montagnes ici, Tierson de Rapella. Ah oui. Et qui vont permettre donc l'extraction de ces grosses pierres pour faire des cordons pierreux, des diguettes filtrantes, des digues filtrantes. Voilà, et qui vont vraiment changer la vie, parce que ça permettra de faire une agriculture réellement durable qui va bien fixer les sols, et ils ne seront plus lessivés comme auparavant pour la génération à venir. Voilà, donc nous montons sur la montagne de Rapella, et nous voyons qu'il y a une abondance de lieux et de postes de collecte pour
pour les cordons pierreux. Donc dès l'instant nous sommes sur une butte cuirassée, nous disposons donc de rochers, de blocs, de latérite qui sont utilisés donc pour les cordons pierreux pour garder la terre fertile en place. Voilà, alors ici depuis le sommet de la montagne de Khien Son Erapela, nous avons une vue. En vue, c'est Erapela. Voilà. L'école du Erapela. Voilà. Voilà, derrière les arbres, là. Oui, oui, derrière les arbres, ça, c'est l'école du Erapela. C'est l'école du Erapela. On voit les cordons pierreux, des alignements pierreux. Pierreux. Il y a des anciens et des récents. Il y a des anciens, oui, oui. Et puis, il y a des nouveaux. Les anciens et les nouveaux, et puis les anciens qui ne sont pas conformes à la méthode, vont être démantelés, et puis on va replacer les pierres de manière à ce que le cordon pierreux... Elle confond à la méthode. Voilà. Ok. Voilà, nous franchissons un ruisseau asséché de la montagne de Khien Son Erapela. Voilà. Voilà, pour un point hydrogéologique intéressant. Voilà, donc nous faisons l'ascension de la montagne de Erapela. Là, nous voyons donc un collecteur d'eau pluviale. Donc, il y a déjà une belle force vu le surcreusement. Et qui, cette zone précise là, alimente alimente Erapela en eau. Et il constitue à peu près 20% de la surface donc de cette montagne qui séparait les deux villages et qui semble maintenant devenir leur trait d'union. Voilà, nous arrivons au sommet de la montagne de Erapela. Voilà. Et Khien Son. Donc Erapela. Voilà, nous voilà au sommet de la montagne de Erapela. Nous allons pouvoir avoir une vue des deux villages, une vue globale des deux villages et des réalisations qui ont été faites. Alors, on voit que des digues qui ont été posées, il me semble, assez récemment, celles qu'on voit ici, là. Voilà. 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 Par ici, là, vers les constructions, là où on voit des tôles. On voit des cordons pierreux, des alignements, enfin des cordons pierreux qui ont été posés récemment, qui complètent ceux qui étaient déjà posés avant. C'est important qu'on ait une vue des dimensions. Après,
Même plus loin, là, il y a des choses. Voilà, et puis tu vas assez lentement. Voilà, tu tournes en une minute sur moins d'une minute sur toi-même pour faire tout le tour. Il n'est pas allé pour aller s'asseoir seulement, il est allé vraiment pour quelque chose de très. Alors, on se prépare pour la descente. Voilà, on se prépare pour la descente escarpée de la montagne de Rapella. Il faut faire beaucoup attention à la descente, à la marche. Ouais, oui, on n'est pas. Oui. Pour s'aider avec les bras. Voilà, il faut faire des mains et des pieds, là, comme on dit. Non, pas de problème. Voilà. D'accord, je vous promets, je le fais pas en courant, hein, mais bon. Voilà, c'est bon, là si on tombe c'est moins grave. Voilà. Nous sommes sur le plateau au pied de la montagne de Rapella, dans sa partie supérieure. Alors, on comprend aisément que l'eau part de la gauche et puis va sur notre droite. Et ensuite, elle rencontre un plateau qui est incliné en direction complètement opposée, ce qui fait que les eaux de ruissellement qui tombent sur la montagne de Rapella sont conduites à 80% au moins sur ce plateau de Kiensom. Et il est probable que c'est une eau qui alimente les pluies et le forage. On voit ici un ravinement très important. Voilà, et l'eau qui passe ici s'infiltre en partie avant de rejoindre les bas-fonds marécageux qui s'assèchent. Je pense que en ce mois de mars 2021, il ne reste plus grand-chose des inondations de l'automne de l'année dernière. Voilà. Un petit ruisseau qui se creuse d'année en année. Voilà. L'eau qui circule. Voilà. Elle se dépose localement. Elle dépose localement des alluvions en perdant de la vitesse lorsque le flux s'élargit, puis elle creuse à nouveau. Voilà, et par ce jeu là il y a des sables et des graviers qui sont déposés. Voilà, et c'est comme ça jusque
jusqu'à ce qu'on arrive à la partie basse du glacis, ce qu'on appelle la partie basse du inférieur du glacis. Voilà, donc dans le haut du glacis, il y a énormément d'érosion. Et en bas du glacis, il commence à y avoir les dépôts. Et nous nous trouverons dans la partie marécageuse, donc ce qu'on appelle ici couramment les bas-fonds. Voilà. Voilà, nous sommes de retour à Kiensom depuis la montagne de Kiensom et Rapela. Et voilà, nous empruntons des pistes généralement empruntées par les deux roues. Voyons des cordons pierreux qui ont été posés. Ceux-là ont été posés. C'est des anciens ceux-là. Oui, c'est des anciens. Ça a été un des premiers, une des premières actions de l'ami, il me semble. Notre chère montagne de Ratkinson et Rapela. De retour à l'école, on est à, il y a 2,5 km entre l'école et le Kiensom, entre l'école de Kiensom qui se trouve en périphérie du village. Il y a 2,5 km pour arriver à Rapela. Donc les agrégats pour la construction des latrines publiques, voilà, et puis une simple visite pour voir l'entretien des latrines de l'école, voilà, donc là elles sont remplies, là il va falloir... Donc il va falloir répartir dans la fosse, voilà. Voilà, deuxième latrine de l'école. Donc on voit qu'elles sont très utilisées et que bon, elles sont bientôt remplies. Donc une troisième latrine publique ne sera pas du luxe. Voilà, je vais voir à l'arrière si tout va bien. Parce qu'il y avait eu une grosse fissure, je me souviens, en début. Je pense que... Ouais, elle a été... Elle a été réparée, il y a le crépi qui a été fait. Ouais. Très bien. Voilà, ben tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, donc là c'est le... on vient de franchir la jonction des deux bras de rivière, quoi. L'un du nord, l'autre du sud. Voilà. Voilà, et c'est ici même que la rivière coupe la route. Ouais. Après avoir raviné sur les flancs, là. Juste à l'entrée de Kiensom, donc. Voilà, ça c'est le bras de la rivière qui vient de la montagne, enfin du plateau à droite. Et là, celui du plateau à gauche, voilà, la route devient pratiquement impraticable. Voilà le panneau de Kiensom que nous avons relevé jusqu'à la prochaine bourrasque devant. Il y avait des géomètres qui prenaient des mesures certainement pour
la réflexion de la voix. Voilà pour toi, ma chérie. Alors, un bouquet de fleurs que je pourrais t'offrir, mais seulement par la vue, parce qu'il va continuer de vivre au Burkina. Voilà, ma chérie Sylvette. Mon amour, rester en France. Voilà, je t'offre ce bel arbre dont je ne connais pas le nom, avec ses fleurs superbes. Bisous, bisous, je t'amène, je t'embrasse avec tout mon amour. Voilà, extraordinaire la puissance de l'eau au bord de la route. En quelques années, la rivière se creuse. Il n'y aura plus de... Nous sommes sur la route de Boulsa à Putienga. Nous faisons ce détour pour des raisons de sécurité et c'est prescrit par les forces de défense, par la défense nationale. Donc là, nous étions entourés de personnes qui garantissaient notre sécurité d'une manière tout à fait sérieuse et locale, en liaison avec les forces de défense nationale basées donc à l'entrée de la ville de Boulsa. Et là, nous avons un nombre de kilomètres limité de pistes. Voilà, et rapidement, en cas de problème, les forces de défense nationale peuvent accéder par toutes les voies goudronnées. Et donc, vraiment être avant la nuit sur le goudron. Alors nous avons repéré le temps qu'il fallait pour le temps de parcours pour éviter pouvoir rejoindre le goudron avant la nuit, et bon, nous serons tout à fait dans les temps. Hein, c'est quand même, c'est le même temps, nous sommes arrivés avant la nuit donc à Boulsa, donc nous arriverons avant la nuit sur le goudron. Voilà. Voilà des enfants qui reviennent de l'école avec leur petite tambouille. Voilà, ils mangent là-bas et puis ils reviennent là. Patate royale là, dans les champs. Vraiment des scènes de la vie burkinabé avec cette petite rivière impétueuse qui longe la route là et voilà qui creuse chaque année. Voilà. Voilà, l'arbre déraciné par la force des eaux. Voilà. Nous sommes au barrage de Niega. Voilà, on voit des hérons blancs. Voilà. Quelques restes de puisards d'eau, quoi. Et à la saison des pluies, c'est tout inondé. Et on voit une petite famille là qui fait un pique-nique là bien au frais. Bon, je prends la vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ici, c'est le barrage de... Nabogo. Donc, c'est le barrage de Nabogo. À l'aval, le contre-saison, à gauche, là. Voilà. Alors, il y a des cultures de contre-saison un peu plus loin, là. Ah, ici, ah oui, oui, là. Au pied du barrage, oui. En aval du barrage. Aval du barrage, oui. Voilà. Puis ils cultivent du... C'est une pépinière
L'eucalyptus. Ouais, c'est une. Ah, faut vraiment qu'il fasse attention avec ça. Pourquoi? Bah parce que l'eucalyptus ça prend l'eau et après la nappe. Non, ce n'est pas. Bah, c'est comme vous avez dit, c'est une pépite. On ne les laisse pas ici. Hein. Ah ouais. On voit après. Les gens viennent vendre. Ouais. Et on ramasse quoi. C'est vrai que ça fait vite du bois, mais. Donc là, il y a un peuplement de résiniers. Voilà, un peuplement de résiniers et avec du palanès brésiliaca. D'accord. Il y a les dattes sauvages. Les dattiers sauvages, oui, il y en a quelques sommes. Voilà. Mais j'en ai mangé là où il y a la sépulture des ancêtres. Voilà, ça, c'est cette végétation est particulièrement remarquable pour ça. Ouais. Chaque fois que j'arrive, je regarde ça, c'est un doigt de Dieu, ça. Parce que ces deux espèces sont un peu plus spécifiques. Voilà. Et le dattier sauvage est très bon pour tout ce qui est problèmes gastro-intestinaux. Et la graine qui est à l'intérieur est aussi un médicament. Ah oui, le noyau. Voilà. Parce que le noyau est très gros, il y a presque pas de. Le noyau est très gros quand on le pile et puis. Quand on le rend en farine, c'est des remèdes pour les maux de ventre, c'est des remèdes pour. Et même pour les pneumonies. Ah oui. Oui, oui. Donc ça, trésor de bienfaits. C'est un trésor de bienfaits, vraiment. Les résiniers, ça, vous savez, ça, c'est ça qui constitue la soudure en début de saison. Et puis les gens aussi font du dolo avec ça. Ah oui. Ben oui, du dolo avec le raisin. Donc une boisson, légèrement alcoolisée. Légèrement alcoolisée et très 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 appréciée. Ouais. Donc vraiment le peuplement ici est très intéressant. Au fur et à mesure que nous maintenant, au fur et à mesure que nous descendons, nous allons voir maintenant que les qualités vont prendre progressivement la place. D'accord. Voilà. Et là maintenant aussi, ça aussi c'est un peuplement de qualité. Oui. Très important et donc les gens, si vous voulez de qualité pour les trucs de qualité, les noyaux de qualité, vous venez par la pluie. Partout, on n'a plus besoin même d'agroforesterie parce que c'est déjà fait. C'est déjà une pratique. Voilà, déjà fait. Voilà. Tout ce que vous voyez là, je vous dis, voilà, c'est le qualité. Ouais. Donc les gens là doivent exporter des amandes de qualité en pagaille. Ouais. Vous voyez, tu vois? De qualité. Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant dans l'export, plutôt d'exporter le beurre de qualité. Le beurre de qualité. C'est que tous les minéraux et une partie de la matière organique peut être restituée au sol. Voilà. Voilà. Voilà, et c'est intéressant d'exporter l'huile, mais de garder le tourteau pour l'élevage local. Ouais. Et un retour au sol des principes minéraux. Ouais. Ouais. Et aussi ça, c'est vrai. Et aussi un stockage du carbone dans le sol. Dans le sol, voilà. Ouais. Qui ressemble à celle de Rapella, avec qui est le sommet Rapella. Voilà, elle est quand même deux fois plus haute en altitude. La grande montagne de Rapella. Centaines de kilomètres de Ouagadougou, nous apercevons des buttes cuirassées, voilà, typiques de formation de type roche verte, c'est-à-dire non granitique, et qui donnent des paysages, qui donnent vraiment des buttes avec un plateau parfaitement plat au sommet, et non des ballons comme les granites. Thank you.
Voilà, quatre petits puits de fourmilion qui attendent le passage d'une fourmi pour leur balancer une petite pelletée de terre et les faire tomber au fond du puits et les dévorer. Voilà quelques terriers de fourmis. Voilà, prêts à disparaître en une fraction de seconde. Hop.